on a décidé de créer une chaîne vidéo gratuite qui est dédiée à la nourriture, sur les bienfaits de la nourriture, sur les producteurs, sur leur métier aussi. C'est une découverte de goût, c'est pas le cours de cuisine basique où on va faire une entrée, un plat, un dessert et puis vous partez avec ou vous mangez sur place. C'est vraiment, voilà, je vous fais découvrir ce produit qui est rentré hier de ce petit producteur-là qui s'appelle X ou Y. Et voilà, on peut le cuisiner comment, comme ça, on peut le cuisiner comme ça. Et voilà ses vertus. On a créé une vidéo qui s'appelle Santé des saveurs, qu'on mettra bientôt en ligne, ou dans une cuisine lambda, comme celle-ci derrière, avec du matériel de base, on montre toutes les techniques et surtout on refait découvrir des produits aux gens. On apprend à redécouvrir les aliments et le goût, à manger différemment. Si vous apprenez à manger de saison, votre aliment normalement a plus de goût, vous assaisonnez moins, donc moins de sel, c'est, je dirais, vraiment une approche sur la santé. En réapprenant aux gens à vivre autrement, on va sauver des vies. Ça fait vibrer, ça fait vivre, mon ami. Voilà. Ça te fait donner de l'avant, ça te donne des forces quand tu es fatigué, ça te fait réfléchir, ça te fait rencontrer des gens que tu n'as pas forcément lien avec eux de base. Par ce biais-là, tu rencontres vraiment des personnes qui sont surtout engagées, quoi, et qui ont envie de faire changer le monde. Et ça, c'est stimulant. C'est de faire en sorte que ce monde bouge. Et je pense qu'il n'y a que nous qui pourrons le faire bouger. Et vraiment, il n'y a que nous, individuellement et puis après en masse. Mais c'est ça qui m'a donné vraiment l'envie. Vous regardez autour de vous, tout va mal en termes de bouffe. Je pense que c'est la malbouffe qui fait que depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, on abîme nos corps, on abîme notre santé. Et donc tous les jours, je le vois, et à chaque service, je le vois, qu'il y a vraiment des problèmes d'allergie, des problèmes de nutritifs. On a standardisé les marchés, on a standardisé la nourriture. On mange vraiment essentiellement toujours la même chose. Donc on a vraiment perdu l'habitude de varier, de diversifier nos assiettes. Voilà, vous allez à une étale de marché, si je vous sors 5 tomates différentes, voilà, c'est le bout du monde. Maintenant on sait qu'on en a plus de 120, des cucurbitacées il y en a 700, vous en voyez combien sur une étale de marché? Une dizaine. C'est une hérésie de manger de la fraise en plein mois de décembre. Je suis allé voir dans une célèbre rue du 9e à Maraîcher, je lui dis tiens, on est au mois de janvier, tu fais des cerises très chères, je peux vous dire, à 27 euros le kilo, et il me dit mais si je les enlève, il y a des gens qui rouspètent. J'ai envie de lui dire, enfin je lui ai répondu d'ailleurs, mais enlève-les, c'est aussi à toi d'éduquer les gens. En tant que chef qui a travaillé dans la gastronomie, ça m'a mis un petit peu hors de moi de voir que une certaine élite pouvait avoir accès à une qualité de produits et pas tout le monde, quoi. Dans mon parcours gastronomique, je me suis rendu compte que moi, j'avais déjà du mal à m'approvisionner déjà en bons produits, en produits de qualité. Et voilà, j'aime à croire que c'est encore plus compliqué pour le Kidam. En travaillant des produits estampillés bio, je me suis même aperçu que même le bio n'était pas garant de qualitatif aux produits, quoi. Il y a des produits qui n'ont pas forcément de goût, et puis une tenue dans l'assiette qui n'est pas terrible, hein, en cuisson et compagnie. Et puis quand vous voyez tout ce qui se passe autour du bio, notamment avec le saumon, donc même le bio de masse, le bio vraiment industriel n'est pas garant de produits. On parle bien d'une chaîne vidéo qui sera sur 7 thèmes. Ça ira des petits pots pour les marmots jusqu'à la cuisine du monde. En fin de compte, ce sera un support où il y aura une vidéo de base, donc Chef Eric, moi-même bien sûr, où il y aura une entrée, un plat, un dessert, saisonnier bien sûr, et on montrera aussi des tutos qui expliqueront vraiment les produits, l'approche des produits, des ustensiles et comment s'en servir. Avec ça, on va la coupler avec un sommelier qui sera spécialisé dans les vins vrais, vins bio et vins biodynamiques, qui nous fera vraiment découvrir des petits producteurs français. On fera une émission aussi pour les enfants. On essaiera de faire ça ludique, et puis qu'on peut faire des petits pots aussi autrement. Et on ira, jusque la cuisine du monde, où on essaiera de faire venir des chefs étrangers qui ont une approche aussi écologique, si on peut dire ça, par rapport à la nourriture. Là, il y a une vidéo, j'ai un gars qui fait une volaille de jaune du Gers, c'est juste, on l'a mangé avec les gars, les caméramans, c'est juste, tu redécouvres le poulet, quoi. Et pourtant, moi, j'ai eu la chance de vivre avec mes grands-parents qui avaient, à côté d'une ferme, où les poulets couraient, ils mangeaient ce qu'il y avait dehors.
Mais là, c'était juste dément, quoi. Je choisis ma fille. C'est con, hein? C'est con, mais il faut que tu aies un gamin pour que ça déclenche un truc, quoi. C'est de dire qu'elle n'a pas accès à des produits que toi, déjà, tu as connus quand tu étais petit, qui n'existent peut-être plus, où le goût n'est plus là. Et elle n'a pas accès à ça, à un goût. Un goût. Tu te rends compte, le goût d'une framboise bien mûre, le goût d'une fraise blanche que moi j'ai connue quand j'étais petit, que j'ai cherché dans le jardin de la ferme à côté. C'est me dire que quand tu vas dans un magasin, tu regardes n'importe quel étal de gâteau, voilà, où sont les gâteaux où il n'y a pas de produit dedans, quoi. Donc voilà, c'est ça ce facteur déclenchant au-delà de tout, quoi, au-delà de ma passion du produit. C'est de me dire que nos gamins, la génération qui arrive, n'ont pas accès à ça, n'ont plus accès à ça, quoi. Faut vraiment faire autrement et se bouger pour pas qu'ils aient peur de travailler des produits qu'ils ne connaissent pas, comme la capucine tubéreuse, comme plein d'autres produits. Ce sera nous les acteurs, c'est pas nous politiciens, on le sait très bien maintenant, c'est nous les acteurs, c'est à nous de faire changer ce monde, de se prendre en main, d'arrêter de rouspéter et de dire que tout va mal et puis de rien faire. Donc on se prend en main, c'est de faire en sorte que ce monde bouge. Et je pense qu'il n'y a que nous qui pourrons le faire bouger, individuellement et puis après en masse. Dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est que de la cantine d'école jusqu'à nos assiettes à la maison, on ait des fournisseurs de qualité, avec des produits de qualité. Et j'aimerais surtout sensibiliser les gamins. Parce que je pense que c'est que par les gamins qu'on pourra vraiment faire changer ce monde, quoi. Vraiment montrer aux gamins qu'on peut manger mieux. En gros, c'est ça. J'aimerais que vraiment nos petits réapprennent à manger, découvrent la nourriture et jusqu'à chez nous, dans nos assiettes, à la maison.